Pour l'information également, quatre terroristes qui ont rallié les groupes armés en 2016 se sont rendus ce jeudi aux autorités militaires de Tamanrasset. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. Alors, le communiqué précise l'identité de ces quatre terroristes. Il s'agit notamment de Redir Mahammar Shouaib, dit Abu Ahmed, Zouari Farhat Ismail, dit Abu Othman, Ben Mas'oud Mourad, dit Abu Mohamed, et enfin Redir Omar Abdelhamid, dit Abu Moussab. Ces terroristes qui ont rallié, je le rappelle donc, les groupes armés en 2016 étaient en possession de 4 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et de 4 chargeurs garnis. Un autre communiqué du ministère de la Défense nationale nous annonce également ce soir qu'une casemate pour terroristes contenant une quantité de médicaments et de produits pharmaceutiques a été détruite hier à Skikda par un détachement de l'armée nationale populaire, selon le MDN. Tandis que d'autres détachements ont détruit à Bouira et Tiaret deux bombes de confection artisanale, précisant encore la même source. Et puis regardez sur ces images également, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, ces détachements de l'ANP ont appréhendé à Bourj Bedji Mokhtar 4 contrebandiers et saisi 7 camions. Vous les voyez donc, 7 camions chargés d'une grande quantité de denrées alimentaires destinées à la contrebande s'élevant à 133,87 tonnes, ainsi que 3600 litres de carburant, toujours selon le MDN, relevant que 4,5 tonnes de produits alimentaires ont été saisies également à Ingezam. Voilà donc pour cette